Chanel, très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, Dodia Ndiaye, la baffe de la mode, en compagnie de mon très beau, charmant et l'unique, j'ai bien dit, l'unique chroniqueur. Bonjour Brian. Merci pour la précision. Bonjour Dodia. Je regrette déjà, mais bon, c'est pas grave, je te comprends, ça te fait tellement plaisir quand j'ai dit l'unique. Mais t'es l'unique aussi. Bien sûr. Quand même, ça, je te l'accorde, hein. Ouais. Ah. Merci. Ça me fait plaisir, plaisir, non? Franchement, Dodia, j'adore ce que tu portes. Merci, merci, merci. Tu ne demandes pas, mais c'est de moi. J'ai envie de m'en venir et tout. Ah ouais, très sincèrement, c'est de moi. Et c'est un truc que j'ai fait vite fait, vite fait. Ah, parce que je me disais que Brian n'allait pas tenir sa parole. Il n'allait pas venir avec cet ensemble qu'il m'avait promis. C'était indépendamment de ma volonté. Et je t'avais notifié. Fallait que je crée quelque chose vite fait. Mais Dodia, sérieusement, à quand le lancement officiel de ta marque? Très sincèrement, il faut que cela revienne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent. Ouais. Et les gens pensent que je ne l'ai pas été. Je l'ai été. Ouais. J'ai défilé à plusieurs reprises. J'ai déjà créé des événements, des défilés de mode. Mmh. Et il y a eu, quand même un absence, voilà, un break, on va dire. Donc là, on est revenu. On est là et on croise les doigts surtout. On espère que ça va revenir. Je l'espère aussi, franchement. Il faut faire ton comeback là. J'ai confiance en toi. On croise les doigts. On va revenir. T'inquiète. Et toi aussi, hein. Mon petit doigt me dit que tu crées de temps en temps des trucs, même si tu ne dis pas. Bien sûr, bien sûr. Bon, mon souci, c'est que je ne suis pas encore vraiment mis à fond là-dessus et tout. Et après aussi, il me manque du temps. Mais je veux faire de mon mieux, surtout d'ici peut-être 6 mois. Je vais m'organiser et puis me mettre vraiment à fond. Tu sais, je pense que c'est le souci de tout le monde, le manque de temps. Et des fois, c'est juste le fait de se dire de remettre, le temps. Voilà, de remettre temps, à plus tard, voilà. Remettre à plus tard et tout. Et tout le monde est passé par là, donc continue en tout cas à t'amuser. C'est ça le truc. Dès que tu t'amuses, quand tu t'amuses, c'est ça en fait. Tu te fais plaisir et dès que ce sera le moment, il y aura un petit déclic certainement et tu te diras, c'est le moment. Ça, je me lance et tout. Yes, tu vas te lancer. On va se lancer. On croise les doigts. Bien sûr. Alors Brian, tu nous amènes où cette fois-ci? Bon, aujourd'hui, on fait un cap sur Los Angeles en Californie. Mm-hmm. Où s'est tenue la 11e édition de NFL Awards le 10 février dernier. Yes. Donc, on va décortiquer les 5 looks de Star Wars sur le tapis rouge. Et sur ce, les NFL Honors sont une cérémonie annuelle de remise de prix et de récompense en National Football League. La cérémonie a eu lieu dans la ville haute de Super Bowl à la veille du match. Et nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Tara D.P. Hanson en Alexandre Vautier dans une robe assez sexy, courte, à longues manches, avec des paillettes, c'est ça? Non, des perles, des strass. Des strass, en tout cas, des trucs qui scintillent. Hein. Ouais, qui scintillent. Ouais, avec dans une robe assez simple quand même, que je dirais du déjà vu, mais qui lui va tellement à ravir. Mmh. Et tu sais, là, on doit décortiquer le look, mais aujourd'hui, j'ai qu'une seule envie, c'est de décortiquer sa coiffure. Sa coiffure. Mais quelle idée? Ces deux tons-là. Ouais. Très sincèrement, c'est quelque chose que j'apprécie. Parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Il y avait des coiffures à l'époque. Je pense même que c'était Rihanna qui faisait ça. C'était des petites têtes où il y avait juste une frange qui tombait d'une autre couleur. Ça, par contre, j'aimais pas du tout. Ouais. Mais là, je sais pas si c'est parce que ça lui va à elle. En tout cas, j'aime bien sa coiffure. J'aime bien cette idée. D'accord, je comprends et tout. Mais moi, par contre, j'aime pas trop la coiffure parce que je trouve assez saturée. Je trouve qu'il y a tellement de volume. Trop de choses. Il y a trop de volume. Mm-hmm. Si on avait dosé au niveau de la du volume, et tout, je pense que ça aurait pu le faire et tout. Et la robe aussi, à part le côté sexy, à part ça, hyper moulant et tout, ça m'inspire rien du tout. Ça m'inspire rien du tout, tu vois. C'est assez terne, c'est fat. En fait, c'est comme ce que j'ai dit, c'est du déjà vu. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'elle a porté, c'est juste une petite robe. Ça manque du glam et tout, franchement. Si. Et c'est vraiment dommage. Et je pense qu'elle pourrait mieux faire. Elle pourrait mieux faire. Bien sûr, c'est Tara D.P. Hanson, on la connaît, elle s'habille d'habitude super bien. Ouais. Mais c'est vrai qu'en même temps, de temps en temps, elle fait de petites loupées. Hein. Et puis après, son problème, c'est quoi? Comme je l'ai remarqué dans une émission qui est disponible sur Netflix, une émission des stylistes qui est tout disponible sur Netflix, en fait, ce sont des stylistes qui habillent les célébrités, entre guillemets, de d'Hollywood et tout. Mm-hmm. Et elle fait partie de la clientèle de ces stylistes. Ah, d'accord. Et j'ai vu dans une partie où, genre, on lui a ramené une tenue, genre, à la dernière minute et tout, et elle a opté pour la tenue. Donc, cela veut dire, entre guillemets, qu'elle ne met pas vraiment l'accent sur ses choix. D'accord. Elle se fie vraiment au choix. Un peu impulsive. Et quand c'est dans le... Quand on parle de vêtements, il ne faut vraiment pas être impulsive. Hein. C'est ça. Elle se fie. Prendre son temps, voir ce que tu as envie de mettre. Préparer des loups pendant des heures, même pendant des jours au préalable et tout. Mais tu vois, sur un coup de tête comme ça, juste parce que, voilà...
en collaborant ensemble, je te propose un truc et puis là, tu décides de mettre. Fais juste confiance parce que voilà, je te l'ai recommandé. En même temps, et ce que tu viens de dire, ça peut se ressentir au niveau de ton look. Hein. Voilà. Très sincèrement. Tu sens que c'est pas un truc, pas du tout travaillé, c'est vite fait. Genre qu'elle s'est vraiment pas cassé la tête. Et pourtant, elle aurait pu. Je me dis, il y a des gens qui ont quand même un certain nom. Quand tu as un certain nom, c'est-à-dire quand c'est une star ou une vedette, je pense que tu peux pas te permettre. Tu dois quand même pouvoir prendre le temps de vérifier ce que tu mets. Tu dois vraiment tout donner. Soyez ton apparence. Exactement, exactement. Là, je pense que cette robe-là, elle n'aurait vraiment pas dû mettre ça. Et que dire de ces chaussures aussi, hein? Rien de vrai, de vrai, hein? Ouais, il n'y a rien de vrai. Rien de vrai, exactement dans ce qu'elle a emporté. Alors, sinon, tu lui donnes une note de combien? Bon, je vais pas être méchant, juste la moyenne, S5. Voilà, je rejoins direct, sincèrement. Et même les 5 là, pour moi, c'est un peu trop, mais bon, on va quand même respecter le titre. Donc, juste un 5, la moyenne, et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Taylor Rooks dans une robe quand même assez sexy. Très, très sexy, mais j'aime bien ce qu'elle a porté. J'adore la robe. Ouais, comme tu l'as dit, la robe, elle est non seulement sexy, tellement extravagante. Carrément. Extravagante de par la structuration. Des découpes un peu partout, c'est des ça? Des découpes un peu partout, ouais, franchement. Je pense que c'est ça qui a apporté vraiment ce côté original et décalé à la tenue et aussi le temps. J'adore ce temps, elle a un beau visage, la même. Elle est super corps, un beau visage, tout y est, quoi. Carrément. Et bizarrement, c'est rare de voir ce genre de tenue, ce genre de robe de soirée avec des mèches. Et ça se voit que ça va super bien, des mèches lui vont super bien. Elle est vraiment très très belle, j'adore ce qu'elle a mis. Et quand on dit que, voilà, là je pense pas aussi qu'elle a fait beaucoup beaucoup d'efforts, mais sauf que c'est le corps, c'est son visage. En fait, c'est elle-même qui a tout apporté à cette tenue. C'est ça, en fait, elle a compris le délire. Et elle a su juste opter pour une tenue qui lui met en valeur. Et elle aussi, comme je l'ai dit, elle met en valeur la tenue et tout. Elle a choisi pour un truc qui, assez simple, sexy, classe en même temps. Il est vraiment très très belle. Et j'adore aussi ses chaussures. Ouais. Elle a fait des efforts en fait. Elle a fait le strict minimum. Et ça lui va super bien. Hein. C'est pas comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Pas envie de la tabasser, mais bon. Pas envie de la tailler. Ouais, carrément. Mais bon, elle a pas fait d'efforts du tout. Sauf que là, tu peux peut-être ne pas te casser la tête. Trop te casser la tête. Juste un truc assez simple, mais qui te va, qui te met en valeur. Et ça, ça on va pas cesser de le dire. La simplicité rime avec l'élégance. Exactement. Franchement, elle est tellement fraîche et soft. Ah ça. J'adore. Mais c'est surtout la mise en beauté, tu vois. C'est assez simple, dégagé et puis voilà. J'allais dire une bêtise, mais bon, je te pardonne. Je suis pas dans ça. Je te pardonne, je sais que tu es pas dans ça. Donc, s'il te plaît, Dodia. D'accord. Ok, donc je te pardonne. Alors, tu nous donnes une note de combien? Un 7. Un 7 Je vais rajouter un 50. 50. Ça se voit que tu as été emballé par Ouais, j'adorais sa tenue. Hein. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Derrick Henry, un assassin. Un tueur. Pourquoi un assassin? Un tueur de serpents. En plus, le gars, je pense qu'il a dû tuer tellement de serpents pour avoir cet ensemble-là. Oh, pauvre petit serpent. Ah, mais est-ce que c'est lui le styliste, c'est lui le créateur de la tenue? Il a opté, mais c'est pas Il a le droit de dire non. Je ne vais pas accorder cela. Il a le droit de dire non, je ne vais pas... Non, ok, on va lui accorder. Il a tué l'animal indirectement, quoi. Ouais. D'une manière indirecte. En même temps, c'est pas joli ce qu'elle a porté. En fait, moi, ce qui me tue, c'est que c'est le fait d'avoir opté pour un total look en imprimé serpent. Monsieur Python, c'est quoi le délire? C'est vraiment, très sincèrement, c'est pas joli ce qu'il a porté. Il est vraiment pas beau, déjà, j'ai pas compris. Déjà, plus... le temps, ça le fait pas. Il opte pour un total look, le design. Les chaussures, la chemise à l'intérieur, ses tresses, ses lunettes, en gros sa tête. Rien ne va, quoi. Enfin, rien, monsieur, rien ne va. Le gars, il est vraiment trop chargé. Il est trop chargé. Et puis, il a un air tellement sérieux, il croit qu'il se la pète, je ne sais pas ce que son problème. C'est pas beau, c'est méchant et voilà, c'est de n'importe quoi et ce qu'il a. Au lieu d'opter pour des chaussures peut-être discrètes ou bien des paires blanches pour pouvoir relever le truc. Non, des chaussures blanches, il porte des chaussures Louboutin à clous, en plus.
Ça fait too much. C'est un tueur, le gars. Je te... Ouais, tu l'as dit, c'est un tueur. Je te l'accorde. Je te promets. Tu donnes un coup avec ses chaussures et t'es mort. Il a même la tête d'un tueur, le gars. Tu le vois, tu le vois surgir de nulle part. Limite, tu vas dire que c'est un serpent. Quoi. Oui, je te promets. Ah, non, mais un serpent est beaucoup plus beau même que ce gars-là. Sa tête, quand même, fait peur. Hein. Sa tête fait peur. C'est un tueur. Il est méchant, le gars. Il s'est habillé en total look serpent. Il a mis des chaussures à clous. Il a des lunettes. Il a une tête vraiment qui fait peur. Il débarque. Tu te dis que c'est un agresseur, le gars. Il fait peur. Ouais, en plus je me permets, t'as pas un autre truc plus méchant, comme ça je vais le dire. Vas-y, sors-moi un autre mot plus méchant. Monsieur Python. Ouais, Monsieur Python, c'est même gentil. Hein, parce que... En tout cas, non, il a merdé, franchement, c'est un fashion faux pas, c'est du n'importe quoi. C'est pas beau, c'est pas magnifique et j'y adhère pas du tout, du tout, du tout. En tout cas, je partage ton avis, je te rejoins direct et tout. Yeah. J'ai même pas de notes à lui. Pas rien, j'ai pas de notes, j'y adhère pas du tout. Hein. J'ai même pas envie de le noter en fait. Yeah. Et donc, on peut passer au prochain look. On passe au prochain look. Quatrième look du jour, Ciara en Roberto Cavalli dans une robe magnifique. Et assez sexy comme maman. Yeah. Elle est très, très sexy, mais elle est super bien soignée. Elle est tellement belle, tellement chic. Que dire de sa coiffure avec cette petite tresse qui tombe d'un côté et... Oh là là. Là, c'est l'insigne de Roberto Cavalli. C'est le... Oui, c'est leur marque de fabrique. Oh là là. Cette broche. Cette broche, très sincèrement. En fait, je pense que ça a fait vraiment... Cette broche a sa place, en fait. Oui, elle a sa place. Elle a apporté... Du peps au look, à la robe. Et franchement, c'est limite, on va dire que c'est une innovation. Parce que c'est pas. On s'attend pas à avoir une broche, une robe. Une broche, ouais, très sincèrement. Une veste, oui, mais pas sur une robe. Non, en plus, ce genre de robe assez sexy, avec plusieurs découpes de ce côté-ci. Et on a même l'impression que c'est la broche qui tient tous ces détails-là. Exactement. C'est l'impression que ça donne. Oui, très sincèrement. En tout cas, elle est magnifique. Et c'est une robe, mais t'as l'impression qu'elle a un pagne, en fait. Ouais. Tu sais, il y a des jupes en moins de pagne, tout ça là. T'as l'impression qu'elle a un pagne avec un crop top, sauf que c'est un ensemble, c'est juste une robe. En tout cas, le Roberto Cavalli a fait du bon boulot sur cette robe-là, très sincèrement. Il a innové, il a fait une très très belle création et Ciara porte vraiment fièrement et elle est magnifique. Cette robe-là, elle est vraiment magnifique. Je dirais qu'elle a fait une démonstration à couper le souffle dans cette robe. Carrément. En même temps, c'est Ciara. Elle a un très beau corps. Elle prend soin d'elle. Elle est incroyablement... élégante et sexy en même temps. Elle vieillit pas aussi. Elle vieillit pas. Yeah, mais tu te rappelles de ces chansons-là avant à l'école, tout ça. Mais elle, quand même, elle date pas de maintenant. Hein. Ouais, c'est. Waouh! Elle s'est lancée dans la musique dans les années 2003. Wow. Non, mais sincèrement! Tu te rappelles, non? Bien sûr! Elle date pas de maintenant. Hein. Ouais, mais tu vois, elle prend vraiment soin d'elle. Elle prend soin d'elle, mais d'une part aussi, tu vois, elle avait commencé assez tôt. Très tôt et tout, mais après, au fil du temps, elle a su prendre soin d'elle et elle est restée au taquet. Oui, carrément. Elle doit être à la même génération que Gino, Jennifer Lopez. Je dirais plus Beyoncé. Beyoncé, non. Je pense. De toute façon, c'est la même génération, je crois, non? Même si Jennifer Lopez, c'est la même. C'est la même génération. En tout cas, elle paraît jeune. Elle prend bien soin de son corps, elle a un corps de rêve, elle est super bien habillée et je lui donne une note de 8. Avant de donner ma note, je ne sais pas si tu l'as remarqué et tout, le noir là, c'est sa couleur fétiche. Elle adore arborer le noir sur le tapis. En même temps, des robes assez sexy. Hein. Elle a su mettre la barre tellement haute avec ce temps. En même temps, elle a compris. C'est comme ce que j'ai dit. Elle a un corps de rêve. Elle a compris. Donc, elle s'expose. Elle montre tout. Elle n'a pas peur de montrer son corps. Et ça lui va super bien. On ne va pas se mentir. Le noir, c'est la couleur du thé ébène. Mais bien sûr. En même temps, même thé ébène, blanc, noir. Écoute, le noir, c'est la couleur qui sauve tout. Ouais. Exactement, tu as parfaitement raison. Ouais, vraiment, tu t'attends de choisir le noir. Ça va bien t'aller. Surtout quand tu vends, de choisir le noir. Tu n'as pas le choix. Tu vois, je n'ai pas entendu. Non, c'est pas grave. J'ai envie de savoir, s'il te plaît. Où est-ce qu'on met que du noir? Je sais pas. Forcément du noir? Dis-moi. Ah, non, c'est pas grave. Tu veux me mettre dans le truc là. Je le dis hors caméra alors. Ah, d'accord, je te dirai ça. Alors, tu te donnes une note de combien? Un 8. Un 8? Ah, tu me rejoins? Cool! Et nous passons au dernier look. Ça
Cinquième et dernier look du jour, vous rigolez dans un ensemble. Vraiment, je ne sais même pas. Elle ne m'inspire rien, rien du tout. Absolument rien du tout. Du déjà vu de la tête aux pieds. Juste un ensemble. Voilà, veste, short avec un crop top à l'intérieur. Je n'aime pas dire crop top. Elle a un soutif en fait. Bien sûr. En tout cas, à première vue, on a comme l'impression que c'est un pyjama qu'elle a porté. Mais rien. Avec des escarpins. En fait, il n'y a que ses chaussures que je respecte hein, dans tout ce qu'elle a porté. Très sincèrement, il n'y a que ses chaussures. C'est tout ce que je respecte dans ma vie. Tu as parfaitement raison. Tu vois, quand tu vois ça, c'est, on dirait limite un choc visuel. Quoi. C'est, ça t'énerve tellement et tout. Oh. Et puis, elle manque d'assurance en même temps. Dans son il lui fallait juste des baskets, en fait, pour aller traîner avec ses amis. Ou voilà, moi, ouais. Juste se mettre à sa terrasse, en fait. Ou bien, elle se croit un pyjama partout, quoi. Même, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai. On est à l'ère du pyjama. C'est vraiment la tendance et tout, mais... Oh, vous voulez un truc assez travaillé, soyez. Carrément, c'est ce que je te dis. Mais imagine avec une vraie veste, un crop top normal digne de ce nom. Et surtout dans un autre top. Oui, carrément. Uh-huh. Même du blanc avec voilà une matière mais qu'il fait, qui est très classe, super bien habillé, genre avec du satin ou bien même voilà autre chose en fait. Ça allait vraiment ressortir, ça allait être magnifique. Et je pense que le gros problème dans ce look là, c'est son soutif en fait. Ouais. C'est le crop top, c'est le haut qu'elle a mis à l'intérieur. Elle a tellement dévoilé, ça prend tellement de la place et tout, elle a tellement exposé écoute, ça que... Écoute, maintenant c'est tellement tendance de voir ce genre de crop top en mode soutif, tout ça, sauf que c'est plus discret que ce qu'elle a mis. Exactement. Là, t'arrives carrément à voir ce qui est à l'intérieur, ce qui soutient carrément les seins, t'arrives carrément à le voir, on dirait tout simplement un dessous. Exactement. Et c'est ce qui vraiment fait défaut, c'est du n'importe quoi. Elle a vraiment pas fait d'effort. Je vois rien d'extraordinaire à part ses chaussures. Si je devais vraiment noter, ce serait ses chaussures et rien d'autre. Dommage qu'on note le look et non les pièces de la tenue. Ah, mais carrément, très sincèrement. Sinon, toi, tu lui donnes Une autre. Franchement, j'ai pas de note. On a un bon couple aujourd'hui. Ouais, carrément, hein, non, mais surprenant, j'ai pas de note pour elle. En fait, elle énerve en fait. Bien carrément, sûr. Tu vois un tapis rouge avec ce soutif-là? Tu vois parfaitement. En plus, on dirait qu'elle a piqué le soutif de sa grand-mère. Oh là là, ça fait pas, ça pas cool. Donc, tu n'as pas de note toi aussi? Oui. Yes, donc on la met à la poubelle, on n'a pas de note. Eh bien, chers amis félicitateurs, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement et sans transition, pour toi aussi, au top et flop. Donc, nous sommes au top et flop. Là, moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai deux tops du jour. J'ai Ciara en Roberto Cavalli, le quatrième look du jour, et j'ai Taylor Hooks. Donc, ce sont mes deux tops du jour. Et pour les flops, j'en ai deux aussi. Derrick Henry et le dernier look, Zuri Hall, sont mes flops du jour. Et toi? Ouais, je partage le même avis que toi. Comme top, j'en ai ex aequo Ciara et Taylor Hooks. Et comme flop, c'est le couple Monsieur Piton et Zuri Hall. Ouais, carrément. Oh là là, Monsieur Piton, il nous a énervé aujourd'hui, le gars. Et bien, c'était tout pour les top et flop aussi. Donc, l'émission touche à sa fin. Mais avant cela, il faut que je t'embête un peu, Brian. Tu sais que le move te va bien aussi? Comment? Le mauve là, la couleur. Oui, oui, franchement, je viens de découvrir ça, quoi. Et puis, je suis tellement content. Comme quoi, il faut s'essayer à des choses. Bien sûr, toujours repousser les limites. Exactement. Toujours, S'essayer à d'autres choses. S'essayer à d'autres choses et puis miser sur la créativité et tout. Et j'ai quand même un petit conseil à donner aux gens. Vraiment, écoute, on a tendance à banaliser Google, hein. Mais tu sais, pour ceux qui n'ont vraiment pas, vraiment, vraiment pas d'inspiration, vraiment, si vous ne savez pas quoi vous mettre, vraiment, ne nous fatiguez pas, ne nous saoulez pas, ne mettez pas n'importe quoi. Allez tout simplement vers Google. Vous n'avez qu'à saisir le truc le plus tendance actuellement ou tout simplement, je vais à une soirée avec mes amis, que mettre? Ouais. En fait, tu t'amuses tellement et tu es tellement libre sur Google, tu peux écrire ce que tu veux, ils vont tout le temps te répondre. Donc, je me dis que si vraiment tu ne sais pas quoi te mettre, réfère-toi à ça. Oui, et il y a un petit conseil que j'aimerais donner, il ne faut pas tout le temps se référer à la tendance et tout. Oui. Si surtout on a envie de se démarquer. Mais tu as raison, il y a des tendances que tu n'as pas envie de mettre actuellement. Moi-même, je pense tellement que c'est saturé. Par exemple, cette couleur, à ma connaissance, elle n'est pas la tendance actuellement. Ça te va. Tu te sais à ça. Regarde le vert, c'était tendance il y a quelques mois. Oui. Je me suis essayé à ça, ça va. Donc, faites des fois repousser les limites, donnez des conseils, prenez plutôt des conseils et ne faites pas n'importe quoi. Voilà.
Et sinon, la maladie, elle est toujours là? Elle est toujours là, du coup, on ne va pas arrêter à chanter l'évangile de la distanciation sociale. Même si les nouvelles sont bonnes et tout, mais bon, on doit toujours être prudent. Jean, on est bien d'être en Afrique actuellement? Oui, on est bien d'être en Afrique et tout. On est au rendez-vous là. Tant pis pour ceux qui sont ailleurs et tout. Donc voilà, on en profite. Mais après, c'est pas une raison pour baisser de garde et tout. Ouais, donc, on a vraiment lutté pour que on puisse revenir à une vie assez normale, comme au bon vieux temps, quoi. Comme il y a deux ans. Donc, certainement, il y en a qui sont en train de se dire, oh là là, vous là. Donc, pour y parvenir, on doit toujours respecter les mesures barrières, pratiquer la distanciation sociale et puis voilà, quoi. Et je te soutiens toujours avec ma seule et unique phrase. Si vous n'avez pas envie de crever, protégez-vous, vous protégez, c'est protéger les autres. C'est tout. Ouais. Et bien, chers amis et supporters, c'est pour un excellent plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur FA dans Fashion Police Africa. Bye bye.